La situation est effectivement catastrophique et pour l'instant je pense qu'il y a un manque de volonté aussi bien disons des politiques que peut-être aussi des scientifiques pour dire que tous les produits qui sont mis sur le marché, malheureusement, certains sont néfastes pour la vie de l'abeille. Et un monde sans abeilles, il faudra certainement se poser un certain nombre de questions le jour où ça va arriver. Et ça risque d'arriver rapidement maintenant. Actuellement, disons sur l'ensemble des adhérents, disons sur de notre association, la majorité ont perdu entre 40 et 80% de leurs ruches cet hiver. Et c'est malheureusement général sur toute la France et certainement en Europe. Donc on a des activités assez élargies. L'année dernière, on a perdu 50% des abeilles. Hein. Il a fallu renouveler au printemps. Parce qu'il y a trop de dégâts, quoi. Il y a trop de pertes. On a beau les nourrir, tout ça, ça n'a rien à faire. C'est un empoisonnement, on le voit bien que c'est un empoisonnement. Quoi. Les apiculteurs, heureusement qu'ils sont là, parce qu'il n'y aurait plus d'abeilles. Hein. Il y a 30 ans, il n'y aurait plus d'abeilles, s'il n'y a pas des apiculteurs. Et puis, l'acier, après, on le récupère, on le fait fondre pour refaire des